Bonjour tout le monde! Bonjour. Donc, on se retrouve pour le déballage de la Craftbox du mois de juillet. Donc, je vous ai fait les deux vidéos, enfin, des deux autres Craftbox, mais je vous les ai pas encore mises en ligne. Ça doit faire une semaine qu'elles sont faites, mais voilà, j'ai pas pris le temps. J'essaie de le faire quand même dans la journée, là. Comme ça, vous aurez peut-être celle-là demain. Enfin, on est aujourd'hui, on est mercredi, voilà. Je sais pas quand vous aurez la vidéo, alors. On va déballer ça ensemble. Je me suis dit, je vais filmer tout de suite parce que j'avais envie de voir ce qu'il y avait dedans. Alors voilà. J'avoue que je crois que je sais pas ce qu'il y a dedans en fait pour une fois. Parce que souvent, je vois avant de la recevoir, je vois déjà le déballage de la box sur YouTube où j'ai un peu une idée de ce qu'il y a dedans. Mais pour une fois, je sais pas. C'est la surprise. On va sortir ça du carton. Donc, ça, c'est un petit cadeau, je pense, pour. Ceux qui ont souscrit à l'abonnement. Je suis pas sûre, hein, mais je pense que c'est ça. Donc c'est super mignon. Allons-y. Hop là. Donc déjà, le thème, elle est plutôt sympa, hein. Quand je vois la dentelle et puis le style. Ça a l'air plutôt sympa. Ouais. Ensuite, on a celle qui débordait. Des petites perles. Donc ça, on a là comme ça va plus vite. Donc, ah si, je sais, il me semble que c'est pour faire un mini-album. J'étais en train de chercher parce que maintenant, je crois qu'ils font chaque fois un thème. Donc je crois que c'est pour faire un mini-album. Des petites fleurs, toujours très belles. Hein. Des petites fleurs en résine. Des embellissements en métal. Des petites ailes. C'est des petits embellissements. Comme un ruban. Des petits embellissements en résine, de la dentelle, on a l'air sympa, encore des petites ailes, donc vous voyez la petite assistante n'est pas loin, on a ses petites mains partout, un petit cadre en bois. Petit embellissement en bois, toujours ben, vous avez souvent ça, un petit embellissement en bois comme ça qui peut faire le titre de l'album, un pochoir comme toujours aussi, donc ça c'est sympa aussi, ça vous fait une belle collection à la fin et du papier du coup pour faire l'album, je trouve ça génial. Enfin, comme dit, ça me plaît bien le fait qu'ils font des thèmes comme ça, c'est je trouve ça génial quoi. Ça me plaît encore plus, déjà que ça me plaisait bien la box. Ah, c'est des cartons, mais vraiment super épais. Si vous voyez. Et du coup, il y en a deux, il y en a cinq. C'est vraiment génial. Un petit embellissement comme ça. Tant qu'il fait la mise au point. Tourner la lumière, ça irait mieux. Donc après, là, ça doit être une feuille de riz, ça. C'est un peu parchemin. J'avoue que j'ai jamais trop encore utilisé des feuilles de riz. Après, je regarde exactement comment on utilise. Je crois que c'est avec de la colle, du vernis colle, il me semble. Comment on peut les servir, quoi. Et après on a le papier. Oui, il est sympa. Après, ça manque un peu de motif, je trouve, par rapport à d'habitude. Bon, il est sympa le papier. J'aime bien les couleurs. Le bois là, il est chouette. Ça, j'aime bien. J'aime bien le style, mais ouais. D'habitude, il y a plus de motifs. Enfin,
personnage ou autre chose comme ça. J'aime bien le thème, mais je trouve que ça manque un tout petit peu de quelque chose, quoi. Genre là, je sais pas. Un dessin, quelque chose. Enfin voilà. Mais c'est sympa. Il y a de quoi te faire un joli petit album avec. Hein, surtout qu'on a les petits cartons en bois là. On a 5 cartons, on doit avoir 5 feuilles. Il y a Pépette qui se réveille à côté. Alors, il y a combien de feuilles? Ouais, il y a 5 feuilles, 5 cartons. Donc il faudra qu'on complète avec quelque chose encore. Hein. On verra. Mais ouais, on peut faire un petit truc sympa avec. Donc voilà pour la craft box du mois de juillet. Donc comme je vous ai dit, les deux autres vidéos des deux dernières sont faites. Je vais essayer de vous mettre d'abord les deux autres en ligne et puis je vous mettrai celle-ci ensuite. Et voilà. Et donc comme vous voyez, en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos, enfin j'ai pas beaucoup de temps pour scraper ou pour ma chaîne. Hein. Puis déjà c'est les vacances scolaires et puis il y a le beau temps et tout. Donc voilà. Donc j'ai un peu moins de temps pour le scrap. Donc je fais ce que j'essaie de vous mettre quand même, je vais quand même essayer de vous mettre de temps en temps une petite vidéo quand même. Mais... Voilà. Je vous promets rien. Bon, ben je vous souhaite une bonne journée et puis profitez du soleil. Et puis il y a Pépette qui fait des commentaires à côté, désolée. Allez, au revoir tout le monde, bisous, à bientôt. Au revoir, à bientôt.